Chaque soir
avec des républicains du sein, qui a eu des rapports sexuels répétés avec elle, pour suite desquels elle est tombée enceinte. Que l'évêque Michaelis lui avait administré une boulevage à l'effet de provoquer son avortement, il l'a gardé continuellement enfermé dans son sanctuaire et coupé de tout contact avec l'extérieur, en faisant croire à tous venant qu'elle n'est pas une personne que le temps après qu'elle va disparaître. C'est en malandais qui se dit qu'il va disparaître. Sont faits par la peur. Que suite à toutes sortes d'agressions sexuelles, violées, maltraitées, exploitées, que la mineure Stéphanie Jean-Pierre a subi, où elle a passé près de 3 ans, enchaînée, pieds et mains, dans une petite chambrette, tantôt sous la galerie de l'évêque Saint-Michel, après que le pasteur Robert Lafleur fini de déguster le miel de sa virginité de la mineure Stéphanie Jean-Pierre. Il l'a transféré à son collaborateur Yves Saint et continué à l'abuser sexuellement et physiquement. C'est contre tout de ces agissements à l'honnête, dégradant et affaiblissant, que la maman de la mineure Stéphanie Jean-Pierre a décidé de se plaindre contre le pasteur André Lafleur et évêque Saint Jean-Michel, la guerre-mère, où le pasteur de la fleur s'était consenti à dédommager la famille de Stéphane Jean-Pierre, où il avait déjà commencé à verser un montant de 650 000 gourdes sur un montant de 5 millions de gourdes demandé par les avocats de la fleur Stéphane Jean-Pierre. Toutefois, n'étant pas satisfait du montant versé par le pasteur de la fleur, la dame Michel Jean-Pierre Joseph, Bérusson ont vendu maître contre le pasteur Marie Lafleur et Michael Bissin pour ses déceptions, exploitation, perte de personnes, viol et agression sexuelle sur le docteur dans sa famille, 16 ans, âgé de 16 ans à l'époque, des faits commis à Delma 75, le 14 juin 2006. Madame du 20 octobre 2014, le parquet de Bourg-Bresse a sollicité du cabinet d'instruction une information en tant que dirigeant d'une enquête autour des faits de séquestration, exploitation sexuelle et agression sexuelle au sein du compte de les occupés par les Lafleur et Michael Jean-Michel. Que le juge d'instruction a rendu son audience, donc le dispositif est ainsi conçu. Disons qu'il n'y a pas de assaut. Il n'y a pas de le discours du discours du gouvernement. Disons par contre qu'il y a eu à suivre contre le dénommé André Lafleur, Élie Saint-Michel, pasteur et évêque de leur État, inculpé de détournement, de complicité de détournement du mineur, de la mineure suivi d'agression sexuelle, vu qu'il existe des indices suffisants et concordants susceptibles d'établir leur responsabilité au fait dit de détournement. Complice de tournement, de mineurs subis d'agression sexuelle, les renvoient en conséquence devant la criminelle Séjean, sans assistance de jury, pour être jugé pour le tournement de mineurs et de complicité de tournement de mineurs au préjudice de Stéphanie Jean-Pierre, 16 ans à l'époque de fait. C'est contre cette ordonnance que les inculpés, comme Lafleur et Michael Jean-Michel, ont été rejetés à belle sur la recevabilité de la forme et de la belle à forme. Attendu que l'ordonnance du juge d'instruction est rendue le vendredi 17 février 2017, signifiée le 22 juillet 2017 aux inculpés. Attendu que les inculpés André Lafleur et Michael Jean-Michel, respectivement, ont interjeté appel par déclaration de l'Église, soit les 24 et 27 juillet 2017, à faire des certificats. Attendu que l'appel a été interjeté légal, et suivant l'article 9 de la loi sur la peine pénale, l'inculpé et la partie civile sur la peine. L'appel des inculpés sera déclaré recevable. En conséquence, il sera déclaré recevable par la foi. Par ces motifs, le ministère public qui est l'hypothèse à la cour de déclarer l'appel des inculpés en bel affaire de l'inculpé. Interjeté dans le délai légal, en conséquence, il sera déclaré recevable par la foi. Au fond, sur les griefs, motivant le recours
de la violence permet la fleur. Généralement, l'unité de l'ordonnance que l'époux excède le pouvoir et violation de la loi. Deuxièmement, l'inconscience des faits et violation de la loi. Attendu que l'appelant reproche l'ordonnance du juge d'instruction du fait que le dossier a été confié d'abord au juge papillon, qui a réalisé plusieurs sortitions et que le juge enfin judicien n'a pas mentionné le visiteur informé de lequel il a déclenché son instruction, que cette irrégularité-là sont devenues et de monter absolue. Attendu qu'une fois que le dossier a été saisi par le juge et qu'il commence à réaliser plusieurs auditions pour une raison et pour une autre, le juge est dessaisi. Il est du devoir citoyen de restituer le dossier à un autre juge, en ce qui après du visiteur informé qui a versé au dossier. Attendu que la redistribution du dossier voire un autre juge révèle un caractère administratif, en conséquence, seul le doyen du tribunal, en tant qu'administrateur, n'est à la qualité pour se faire. En conséquence, on ne peut parler de l'égalité de l'œuvre du juge. Par ce motif, il y a lieu pour la Cour de rejeter ce moyen pour n'être pas fondé. Sur l'inconsistance des faits, attendu que la plante, envers la fleur, reproche l'inconsistance des faits pour dire que dans le dossier, il n'y a pas de pièce à conviction, comme procès verbal, certificat médical ou autre. Attendu que la mineure s'évanouit, a été séquestrée, pied et main, enchaînée, près de trois ans, pour avoir dans une chambre chez l'évêque, une baïlice, qui pendant cet intervalle de temps n'est pas autorisé à parler à personne, pour même sortir ou aller voir un médecin en faisant. Tout ce qu'elle disait, c'est le démon qui parle. Attendu que les deux inculpés ont reconnu et font aveu que la mineure Stéphanie Jean-Pierre a passé près de 3 ans en prière chez l'autre qu'elle possédait un esprit démoniaque, et pour chasser ce petit malin, ils ont fait subir toutes sortes d'injures à la fille Stéphanie Jean-Pierre. Tandis que l'aveu du pasteur en belle affaire, en acceptant le verset de 650 000 gouttes aux avocats de la mineure comme réparation des dommages et préjudices subis, constitue la preuve de présomption de culpabilité et sa conscience folle des faits eux-mêmes. Attendu que les faits reprochés à l'inculpé en belle affaire sont constants, il y a lieu pour la cour de rejeter ce que c'est moyen pour ne pas fonder. Si que l'inculpé en belle affaire a fait aveu de l'accident, je vais commencer à verser le ministère public sur un montant de 5 000 euros par cette motif. Le ministère public qui pèse la Cour de rejeter sur ses moyens pour n'être pas fondé. Dire que l'inculpé en belle affaire a fait aveu et selon le principe des cours de la doctrine, l'aveu a fait la preuve. En conséquence, il y a eu pour la Cour de rejeter sur ses moyens ce gars. Sur les griefs évoquant de récupérer une analyse sur le détournement de la police de l'Europe sur la question sexuelle. Attendu que la plante de Kaël Lucin reproche au juge d'instruction de son ordonnance du 17 février 2017 de ne pas établir clairement lequel les deux détournés est poursuivi pour le détournement de la police de l'Europe. Attendu que la plante a fait mention dans son acte d'appel de l'accord entre l'interdit de pasteur solliciter aide de ses collaborateurs immédiats pour assumer, pour arriver à une telle fin. Attendu que la maman de la mineure Stéphanie Jean-Pierre avait confié sa fille au pasteur de la fleur dans l'unique but de prier pour elle au sein de l'Église, non pas pour aller de la maison à elle simple. Attendu que le fait par une réalité d'abuser sexuellement la mineure Stéphanie Jean-Pierre constitue un cas de douleur. Attendu que l'équipe de Kaël Lucin reproche au juge d'instruction le fait qu'il n'y a pas aucun certificat médical, encore moins de rapport d'expertise ADN, de spermologie non été réalisé pour pouvoir
vous pouvez, il y a un viol, et puis l'auteur, je prétends du viol, serait un Jean-Claude. Attendu qu'effectivement, il n'y a pas de certificat médical pour prouver qu'il y a un viol sous la mort de Stéphane Jean-Pierre, mais aussi, il a oublié aussi de l'agression sexuelle, et puis de la peine que le viol, encore pire, il a illustré breuvage à la mort pour provoquer son avortement, qui est aussi punissable du crime de meurtre. Attendu que la mineure déclare qu'elle a été violée à plusieurs reprises par l'évêque du Cayo Saint, au bout des terres, elle a été tombée enceinte. Attendu que l'évêque du Cayo Saint, Béatrice Saint, Béatrice Saint, Béatrice Saint, Béatrice Saint, pour provoquer son avortement après avoir tombé enceinte, soit pour lui ou bien pour le pasteur en même temps. Il y a eu le ministère de l'Université, il y a 10 suffisants pour maintenir l'ordonnance de l'instruction. Dans toute sa forme et pour le conservatif, le ministère public qui est écouté à la cour, l'État est recevable en la forme d'appel interjeté par les inculpés en la cour de la Saint pour être interjeté dans le délai légal. Dire qu'il a été bien ordonné et mal appelé en conséquence, maintenir l'ordonnance du juge d'instruction dans toute sa forme du ministère, dans toute sa forme de l'honneur. Pour sortir son plein et entier fait et suspendu. Si pour la police, le ministère de l'acte, c'est bien de lecture de la conclusion que nous avons à cette affaire. Où le représentant de la société reproduit
les mêmes erreurs que le juge d'instruction en demandant à la cour de maintenir l'ordonnance que requis. Attendu, une ordonnance pour être l'œuvre de magistrat expert doit frôler la perfection absolue. Par conséquent, il s'ensuit qu'elle doit remplir les exigences établies par les règles gouvernant le droit pénal qui est d'interprétation stricte. Ainsi, on ne peut ni y retrancher certains faits. Ces infractions que nulle part dans l'ordonnance du 17 février 2017, le pasteur Alain Lafleur et le sieur Jean-Michel Lissin n'ont pas été renvoyés par devant la juridiction de jugement pour agression sexuelle, mais ils sont renvoyés pour détournement de mineurs et complicité de détournement de mineurs au préjudice de Stéphanie Jean-Pierre, 16 ans à l'époque. Attendu qu'en matière pénale, la juridiction de réexamen ne peut aggraver le sort de l'inculpé, que le ministère public ne peut non plus, suivant ce principe, ajouter à son réquisitoire d'autres infractions que le juge instructeur n'a pas reproché aux inculpés. Sur le détournement et la complicité de détournement de mineurs. Attends-tu que le chef de la poursuite pénale, le commissaire du gouvernement, qui devrait pétrir la matière, n'arrive même pas à bien l'assimiler auprès d'inventer ou d'introduire dans la législation pénale haïtienne des faits qui ne constituent pas des infractions. Attendu que le droit pénal a ses caractéristiques et son unique rôle est de définir les infractions. À cet égard, il s'intéresse tant à la définition de l'infraction qu'à la détermination matérielle de celle-ci. Que dans ce contexte, la doctrine entend par infraction l'attitude d'une personne qui est contraire à la loi pénale. Selon l'acceptation juridique, l'infraction se définit comme un comportement interdit de manière générale et impersonnelle, dont la sanction est une peine. Attendu qu'à travers cette définition, il s'avère que l'infraction comporte deux éléments. D'une part, l'incrimination, c'est-à-dire la description des divers éléments constitutifs du comportement interdit, et d'autre part, la peine qui sanctionne ce comportement. Attendu que jamais le législateur pénal n'a pas prévu une infraction intitulée détournement de personne, encore moins détournement de mineur, pour qu'on puisse y envisager une certaine complicité suivant les articles 44 et 45 du Code pénal. Attendu que l'espèce, l'article 300 du Code pénal haïtien édicte l'infraction appelée l'enlèvement de mineurs, dont les composantes ou les modes de réalisation sont le détournement, le déplacement ou l'instigation de détournement d'un lieu à un autre déterminé. Ainsi, le détournement et le déplacement constituent des moyens de matérialisation de l'infraction d'enlèvement de mineurs. En revanche, le législateur ne consacre pas une infraction dont la dénomination serait détournement de mineur. Attendu qu'en vertu du principe de la légalité criminelle, infraction et peine édictée à l'article 4 du Code pénal haïtien, la matière pénale subordonne à l'action répressive l'existence d'une infraction explicitement prévue par le législateur. Que l'article 300 du Code pénal n'instaure pas l'infraction appelée détournement de mineur, dont l'existence ne constitue qu'une caractéristique de l'infraction d'enlèvement de mineur. Attendu qu'en conséquence, le réquisitoire du ministère public contrevient au principe de la légalité criminelle posé à l'article 4 du Code pénal haïtien. Attendu que la procédure d'instruction constitue la phase préparatoire du procès pénal
et est strictement lié au texte de principe en vigueur. Par conséquent, le réquisitoire du ministère public se heurte au principe posé à l'article 4 du Code pénal, et cela rouge. Attendu que tel manquement, d'abord constaté dans l'ordonnance de l'envoi du magistrat instructeur, est suivi et répété par le ministère public réglable. Par conséquent, l'ordonnance de relais sera infirmée avec les conséquences du droit. Par ses causes et motifs, voit la Cour écarter ou rejeter le réquisitoire produit par le ministère public afin de soutenir l'ordonnance de relais, infirmer la dite ordonnance pour absence de base et de référence légale avec les conséquences du droit. Sur l'agression sexuelle alléguée par le ministère public dans son réquisitoire, infraction pour laquelle l'ordonnance du juge d'instruction ne défère pas les inculpés au tribunal criminel. Attendu que les inculpés pourraient ne pas faire cas d'une telle infraction pour n'avoir pas été renvoyés au tribunal criminel sans assistance de jury conséquemment à la dite infraction. Que bien que le magistrat ait mentionné l'article 278 du Code pénal haïtien dans le dispositif de son ordonnance, cependant, il n'a pas cru bon de déférer les inculpés par devant le tribunal criminel, le tribunal répressif, pour une telle charge. Attendu de l'article 278 du Code pénal, stipule quiconque aura commis un crime de viol ou sera coupable de toute autre agression sexuelle, consommée ou tentée avec violence, menace, surprise ou pression psychologique contre la personne de l'un ou l'autre sexe sera puni de 10 ans de travaux forcés. Attendu que le ministère public s'est basé sur un quelconque preuvage qu'aurait administré l'inculpé Jean-Michel Hyssin à la ministre Stéphanie Jean-Pierre pour provoquer son avortement après avoir été tombé enceinte, soit pour lui ou bien pour le pasteur Alain Lafleur. Et dans ces conditions, le ministère public insinue que le pasteur Alain Lafleur a eu des rapports sexuels avec la ministre Stéphanie Jean-Pierre. Attendu que dans sa déclaration d'abondance au cabinet d'instruction, la mineure Stéphanie Jean-Pierre a soutenu que le soir de sa remise au pasteur Amel Lafleur par ses parents, celui-ci l'avait fait monter dans une chambre et que peu après, un frère était venu dans la dite chambre pour enlever l'ampoule qui illuminait la pièce. Que de là, dans l'obscurité est venu le pasteur Amel qui lui a fait boire une potion occasionnant sa chute en syncope et le pasteur l'a violé. On se demande si la mineure Stéphanie Jean-Pierre a le don de voir dans l'obscurité. Attendu que le dictionnaire Le Petit Larousse définit le mot syncope comme une perte de connaissance complète. Qu'il s'ensuit qu'une personne tombée en syncope, lors même qu'elle aurait été violée, ne pouvait nullement pas se souvenir de son agresseur. Et de plus, comment a-t-elle pu reconnaître dans l'obscurité, après qu'on eut enlevé l'ampoule, que c'est le pasteur Amel qui s'approchait d'elle? Attendu que pourtant, le ministère public a admis qu'il n'y a pas de certificat médical, encore moins un test d'ADN susceptible d'étayer, de clarifier ou de déterminer un lien entre le viol de la mineure Stéphanie Jean-Pierre et son agresseur, auteur du viol. Mais dans ces conditions, le moins d'indices qui pourrait motiver le magistrat instructeur à retenir des charges contre le pasteur Amel Lafleur relativement au viol de la mineure Stéphanie Jean-Pierre, encore moins des agressions sexuelles sur la dite mineure à l'encontre du pasteur, fait défaut. Attendu que plus loin dans son réquisitoire, le ministère public a soutenu qu'il y a aveu du pasteur Amel Lafleur
en acceptant de verser la somme de 250 000 pour aux avocats de la mineure comme réparation pour l'hommage causé. Que ceci n'est qu'une supposition, dénuée de tout raisonnement juridique, grossièrement faite par le ministère public qui tire son origine dans l'ordonnance de renvoi. Attendu qu'il s'agit d'une réflexion par analogie faite par le ministère public à une compensation faite par l'Assemblée de l'Église aux parents de la mineure Stéphanie Jean-Pierre. Que de là, parler d'aveugle par le pasteur Amel Lafleur dans son réquisitoire est péril de la part du ministère public. Que le droit pénal, d'interprétation stricte, n'admet pas de réflexion par analogie. Attendu que l'aveu, faisant partie des 5 modes de preuve prévus en droit, est une déclaration faite devant un juge par laquelle une partie reconnaît pour elle un fait qui est de nature à produire des conséquences juridiques. Que l'aveu constitue une reconnaissance pour une personne partie à un procès de la véracité du fait ou de l'existence d'un acte que son adversaire évoque contre elle. Attendu que le pasteur Amel Lafleur n'a jamais fait une telle déclaration et n'a non plus reconnu avoir abusé, agressé ou violé la mineure Stéphanie Jean-Pierre tout au long de son instruction. Attendu qu'ainsi, le réquisitoire du ministère public se révèle un document non appuyé sur des faits réels et des discordants pouvant motiver la Cour à maintenir l'ordonnance publique. Par conséquent, ce réquisitoire sera écarté et l'ordonnance du magistrat instructeur est fermée. Par ces causes et motifs, et pour les raisons sous-énoncées, la Cour d'appel de Port-au-Prince rejettera, écartera le réquisitoire du ministère et firmera l'ordonnance querellée du magistrat instructeur du tribunal de première instance du Port-au-Prince, rendu sous la date du 17 février 2017, et demandant et instruisant à nouveau, la Cour reconnaîtra que la remise de la mineure Stéphanie Jean-Pierre au pasteur Amel Lafleur a été volontairement faite par ses parents. Il n'y a pas lieu de parler d'enlèvement de personnes, encore moins d'enlèvement de mineurs. Et qu'aucun indice ayant trait aux agressions et à touchement sexuel ne sont pas décelés contre le pasteur Amel Lafleur, le renverra en conséquence hors des liens de l'inculpation. Ce sera justice. Je demande à la Cour de la lecture de ce mémoire. Et j'offre en communication ce mémoire qui a été déposé pour voir que les règles de l'art ont été respectées. Enregistrement et tel. Non, c'est pas possible.